Drop top. Right now. What's up? Yo tout le monde, c'est pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour une nouvelle journée à Los Angeles, les gars, il me reste 2 jours. Donc on va profiter un max, mais vraiment un maximum, messieurs, dames. Ce soir, match face aux Timberwolves, donc Clippers, Minnesota, ce soir. Je vais pas filmer trop les gars, parce que je vais essayer de profiter un maximum quand même de ce match. Je vous ai filmé beaucoup de matchs, donc j'aimerais bien je vais filmer 2-3 moments, tu vois. Mais j'aimerais bien, tu vois, poser la caméra et vraiment profiter à fond de mon dernier match NBA à Los Angeles. Mais on arrive déjà à la fin de mon séjour, messieurs, dames. Demain, direction pour une vidéo dédiée, on retourne à Venice Beach pour jouer au basket toute la journée. Et on va jouer au basket toute la journée, ça va vraiment être lourd pour une vidéo dédiée à ça, que vous verrez dans quelques jours. Et ensuite, vendredi, le départ et le retour au pôle Nord, en France. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je compte sur toi pour lâcher le petit like, partager la vidéo, t'abonner. J'espère que toute cette série et tout ce trip, tout ce rêve que je vis en ce moment et que j'ai vécu, enfin, voilà, tout ce que j'ai vécu, tout ça, vraiment, vous a fait kiffer, vous a vendu du rêve. J'espère vraiment que vous avez réussi à vous mettre à ma place et vraiment que j'ai pu vraiment vous changer les idées, vous faire passer un bon moment et vraiment, voilà, que je vous ai mis des étoiles plein les yeux, en fait, tout simplement. Parce que moi, je vis un putain de rêve et mon but, voilà, j'avais vraiment envie de vous retransmettre ça, en fait, tu vois. Donc voilà, n'hésite pas, je sais que vous faites chier avec ça, mais tu likes, tu partages en appuyant sur partager, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche. C'est un peu chiant, tu vois, de dire tout le temps ça, mais c'est important, en fait, tu vois. Ça me permet, moi, d'être mieux référencé, d'avoir de nouveaux abonnés, d'avoir des likes et de voir que le contenu vous plaît, tout simplement. Hyper galère, parce que pour ceux qui ont pas vu la vidéo hier à Venice Beach, je me suis défoncé les doigts. Ça fait trop mal. Le monde est très petit, messieurs, vous l'avez demandé. Oh, eh, c'est pas beau, les mecs. La petite barre, elle est là, la piscine, elle est là. Le NBA YouTube Game est là. Le NBA YouTube Game est là, les mecs. C'est cool en tout cas, hein. On est content de te rencontrer totalement par hasard dans notre hôtel. C'est ça. À côté de ma piscine, c'est la mienne. À côté de sa piscine. Ouais. Et en fait, sa sœur, c'est ma copine. Ouais, elle sort d'Awan. Le problème, c'est qu'elle a 6 ans. Ouais, voilà. Elle est un peu vieille, non? Il y a mon père qui te cherche, fais gaffe. Il y a la police aussi, je crois. On pourra pas te chercher trop loin avec son bracelet électronique, mais fais gaffe quand même. Like pour ça et puis allez checker, enfin, vous connaissez tous de toute façon. Et pour le futur, tout qu'on fait ensemble. Franchement, voilà, je suis vachement émotif. Je suis tellement triste que ce soit mon dernier match. Vraiment. Je suis tellement triste. C'est un truc de ouf. Le monde est petit. Ouais, on est toujours là, hein. Mec, c'est abusé. J'ai dit, les mecs, pour mon dernier, on se fait kiffer. Allez, Carl Anthony Tam, Jamal Crawford, Jimmy Butler, Andrew Wiggins.
m'excuser, mais là, je vais kiffer. Match, il y a plein de mecs qui se ramènent avec leur barbecue et tout, et
Et ils vendent leur merguez, leur petit hot dog et tout. Non, franchement, c'est tout l'engouement aussi qu'apporte un match. C'est les Américains, tout ça, la mentalité des gens, tout ça. Tout va manquer, pas que le Staples Center.